Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite chez. Donc là, record pour l'instant. On va faire ça, je pense, sous forme d'épisode. Je vais filmer des épisodes de 10 minutes de game. Donc pour l'instant, on a de la canne à sucre en bois. Ça se prononce plutôt bien. Ok, on va essayer de faire une petite charpentine 2 en 10 minutes. Il va nous falloir un peu de bois. Ensuite, on range ça, on peut voir ça. Hop. Hey! On va dire bonjour à notre teammate. Et tout de suite vers 0, alors 0-0 c'est pas. C'est pile poil de l'osé. En plus, je suis bête, hein. J'ai un mode waypoint. On va essayer de se dépêcher quand même. Hop là, un nouvel ami. Ça se prend, on est là pour faire de nouvelles connaissances. Avoir besoin de 3 flints. Eh bien, ok. Tiens, mets-toi. Bien, très bien. Ok, on va te prévenir. Be ready in 9. Min. Ok, donc on va être à la recherche d'une caverne pour l'instant. On se prend une carte de fer, j'ai envie de vous dire. Et on va se faire une sharpness 2. Donc il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Hypixel, eh bien, il y a des crafts en plus que vous pouvez débloquer par rapport à l'argent game. Donc pour gagner de l'argent, c'est tout simple, faire des kills ou gagner des games. Ensuite, vous pouvez acheter des récipes, donc c'est le nom donné, donc ce sont des crafts un peu spéciaux. Et parmi ces crafts, on peut par exemple faire une anvil avec moins de fer, ou alors par exemple faire cuire du fer sans le mettre dans un four, ou encore construire des livres de sharpness. Et donc pour l'instant, le but dans les minutes qu'on a, ça va être de nous construire une petite enclume, deux livres de sharpness, essayer d'avoir trois niveaux, voire 4 niveaux, et tout simplement s'enchanter. Alors ça sent la caverne nulle en général. Est-ce que c'était bien une caverne nulle? Pour l'instant, il n'y a aucun fer. Ah, il y a un peu de fer, pas parfait. Il y a autant pour moi. Ok, tout de suite, on va se mettre combien de fer on a ici. C'est dommage. Toujours vérifier un peu plus de fer derrière. Charbon. Bien, on a perdu anti-mage, je ne sais pas trop pourquoi. Ok, il a. Je pense qu'il a rage quit parce que notre autre fusée a ajouté sur Skype. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Quand on a uniquement 2 étoiles sur les pixels, c'est très dur d'avoir de la crédibilité. On récupère nos 4 niveaux. Car on va en avoir besoin. Parfait. Alors excusez-moi si l'écran devient violet, c'est un petit bug qui m'arrive de temps en temps, je ne sais pas trop ce qui se passe. C'est quand la barre en fait en haut de mon écran, voilà, vous voyez playing gâché, et bien s'affiche, mon écran devient, se teinte un peu de violet, ça m'arrive de temps en temps. Forcément j'ai pas eu de chance, ça m'arrive quand je tourne. C'est plutôt ennuyant. Pas de caverne ici? Alors je me mets en F5, oui, c'est pour trouver caverne, c'est beaucoup plus simple. Faut juste faire gaffe de ne pas tomber dedans, comme celle-ci. Ok, on va faire ça. Faire couler un peu d'eau. On diffère, on n'est pas super rapide. Hein. Surtout si j'en gâche comme celui-ci. Ok. On va faire le tour. Un peu de fer ici. Dû faire par là. On n'a pas forcément beaucoup de chance hein. Sur ce coup. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de fer là, c'est vraiment des petites grottes. Pas du tout pratique.
On n'a pas beaucoup de temps, mais on va quand même remonter comme ça. Se dépêcher. Alors sur IPXL, le temps est vraiment, j'ai envie de vous dire, compté. Il est vraiment très important. J'ai encore des cartes d'absorption. Allez, hop. Parce que franchement, on n'a pas trop le temps. Pas trop de fer. Redescendre. On viendra plus facilement. Et forcément, il n'y a pas de fer. Ça va être bon. Toujours pas de fer. Mais ça va aller, ne vous inquiétez pas, au pire sinon on rushera sans Anvil. Bon là il ne manque plus grand chose, hein. On va se dépêcher quand même. Le tout c'est de garder à peu près 16 cobble pour se faire deux fours. Pour être à bien. Pour faire cuire le supplément de fer. Ok, notre est encore à 100% de sa vie, ce qui est une bonne chose. Ce qui est pourtant très rare. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver un peu de fer par ici? Pas de fer par là. Et un peu de fer ici, je l'avais loupé. On est à 34, il manque vraiment genre 6 fers. 8 fers, encore 8 fers. Je pense qu'on va trouver notre bonheur ici. Parfait. Ok, on est tout de suite à cuire, on n'a pas de temps. Trois fours, bah parfait. 4, je garde ça. Hop là, on fait cuire ça. Il nous manque trois fers ici. Là, donc je vous montre rapidement le craft, même si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave, moi je le comprends. Je vous conseille vraiment les UHC IPXL. Pour moi c'est vraiment, ça fait partie des meilleurs UHC. Il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de cheaters sur IPXL, c'est le problème d'IPXL, mais ils sont en train de bien bannir, de bien supprimer les cheaters en ce moment, donc ça redevient un réel plaisir de jouer sur IPXL. Forcément je me fail. Hop là. Notre petite ancienne épée, on s'en fiche, ça, hop, ça va là. Du fer. Donc quand vous faites vos enchantements, je vous conseille simplement de commencer à faire cuire. Ok. Commencer à faire cuire tout simplement avant de vous enchanter. Comme ça, c'est déjà cuit en arrivant. Il nous manque un petit niveau. Forcément, on ne l'a pas. Donc on est prêt, hein, on est bien prêt. On va pouvoir se mettre en route. N'est pas trop loin. On va lui proposer de se rejoindre, se réunir. Et on va venir le réunir aussi, je le rejoindre aussi. On lui fait un peu l'inventaire de ce qu'on a. Un village. Peut-être être une chance, mais bon, en 10 minutes, de. Je me fais pas d'illusions, normalement la forge devrait être prise si seulement encore il y en a une. Fais attention, il va commencer à avoir des ennemis. Et les environs. Oula. Et en plus, il n'y a pas de forge. Une branche. Ok. Ok, voilà. Let's find. Dessus. Il se sert de carottes lui aussi. Ok.
Ok, eh bien, on va trouver quelques nuits, on va essayer de nous trouver de quoi manger, et on se retrouve pour un prochain épisode, dans l'épisode 2, pour voir la suite de cette game. Allez, salut à tous!